Bonjour à tous, c'est Aquaire, on se retrouve pour Projet Hospital, épisode 11. On va enfin peut-être, si on a les moyens, de faire notre chirurgie, morgue et tout le tralala. Normalement, on devrait y arriver, bien qu'on ait quand même... charge assez importante. Ah, d'accord. Ça c'est. Ben, je le savais pas. On n'en a pas encore malgré tout. Donc si je fais Shift plus clic droit, je peux récupérer juste l'objet qui se trouve sur le meuble. D'accord. Ok, attendez, hop, je vais mettre la rapidité comme ça. Ensuite, suivant, c'est pas bon. Procédure terminée, c'est par Queen. D'accord. Bon, j'ai pas mal de choses ici. Regardez juste, monsieur pirate. D'accord. Stéphalé, CRPLV. Je dirais ça pour commencer. Tout ce qui est plutôt ouais, une prise de sang peut-être. Prélèvement pectorienne. Parce que c'est quand même... peut-être un champignon, je sais pas. On peut lui faire un PCR à la base. Je crois pas que les autres trucs soient... pour le moment indiqué. Ensuite entre la vie aux autres. Rhume des foins. Rhume des foins. Voilà, c'est tout ce que vous aurez, monsieur. Vous faites pas trop de médicaments, ça sert à rien. Ok, ben on va vous donner ceci alors. Pourquoi elle est pas à 40? La procédure sont terminées, d'accord.
Va au travail. Comment ça, va au travail? Comment ça se fait? Déjà ça. Bonjour ma petite Caro. Attends, je vais mettre pause là. Alors déjà toi, on va déjà te faire ça. Ensuite, examen physique. Allons-y, pétons-toi vite. Je sais pas si tu... ça avance tout doucement depuis la dernière fois. C'est mort, il n'y a pas de mur. Ah j'allais dire, mais pourquoi il n'y a pas de mur là-bas, mais non. Ok, ici, là, deux pieds, le top. Toi, oh, mais il a tout en fait. Hop, hop. La tête aussi. Non, dommage. On va faire le dos aussi. Ben, en même temps, ton personnage, aujourd'hui, il est arrivé un peu plus tard que les autres. Je comprends pas, mais bon, voilà. En fait, au-dessus, ils ont des qualités et des défauts. Et donc, des fois, ben, leurs défauts ne... Il se peut que dans ces avantages ou inconvénients, il y a peut-être quelque chose qui fait qu'elle n'apprend peut-être pas assez vite les leçons, quoi. Alors, hypersensibilité, ben, moi, je dirais qu'on ferait quand même une prise de sang. Ça se trouve, elle n'a pas ce défaut-là non plus, mais pour l'instant, les siens, je les vois pas. Il faut que qu'elle évolue un peu pour que je puisse. Enfin, qu'elle non, il faut qu'elle évolue par rapport aux autres employés, en fait. Si elle discute pas beaucoup avec les autres, et eh ben voilà quoi. Qu'est-ce que je mettrais? Je sais pas où j'en suis, moi. On va palper le truc, le thorax, percussion, allez. Voilà, hop. Toi, tu vas voir le total. Bon, toi, tu veux pas rentrer, toi, non? Non, mais... Oust, oust. Elle veut pas partir, elle. Elle a décidé de m'emmerder dans le cabinet. Mais reste dans le cabinet, je m'en fiche. Mais elle est où, là? C'est pas possible. Elle quitte tout dans son bureau, la Caro. Comment tu veux que je te donne des passes? Ah, mais elle est là. À peine arrivée qu'elle va déjà.
Toi, regarde ici, elle a deux avantages cachés ou inconvénients. Hein. C'est possible qu'elle en a deux aussi, deux inconvénients, hein, mais c'est rare. Faut vraiment qu'elle discute avec les. Ou alors je peux les acheter peut-être. Attends. Qu'est-ce que tu veux, toi? Là, hop, tu vas faire ça. Tu vas faire. Voyons voir si c'est. Ici, on s'en fiche. La respiration. On n'a pas besoin de tester le cœur pour ça. Mix ça. Moi, je vais te mettre. Il est où le truc là? On a déjà fait des trucs ou quoi ici? Oh. D'accord. Super, il a déjà fait des trucs. Quinn, toi, elle dépasse déjà l'entendement, elle prend déjà des initiatives, c'est bien. Voilà. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, maintenant je peux récupérer. Non? Ah, je croyais qu'on pouvait acheter. Attends, il y a un moyen, je suis sûr de trouver les avantages. Oui, ouais, pourquoi elle est en rouge, pourquoi? Mais oui, parce que l'autre ne peut pas foutre le camp. Ah d'accord, bah, hop. Je suis obligé de vous renvoyer dans un autre hôpital, je peux pas vous soigner ici, j'ai bien compris. Hop. Alors elle, tu vois. Non, c'est Sorayu. Sorayu, elle a quoi elle? Bosseur. Et jeune parent. Ok. Ici, Fanny. Elle est désagréable. Ah d'accord, c'est déjà bien. Et elle est bosseur. Donc c'est logique. Moi, moi j'ai génie du diagnostic. Moi, j'en ai trois carrément. Bosseur et bon chef. Et Caro, ben on voit pas. Comment je vais faire? Mais normalement, on devrait savoir. Je sais plus comment on débloque le truc. À moins que c'est quand je l'engage. Ah, c'est peut-être quand j'engage. Voyons voir. Révéler les avantages cachés pour mes. Ah ouais. J'aurais dû le faire ça avant. Ou bien j'édite un personnage. Ça m'intéresse pas. Excusez-moi, c'est pas ça que je voulais faire. Est-ce qu'en faisant ça, je peux pas débloquer? Ils expliquent pas plus, hein. Attends, je vais vérifier. Voir si là, ils expliquent plus. Non. Non, ce sont des avantages et par malheur, ben, je sais pas. Les tiens. À mon avis, elle doit discuter, à mon avis, avec les autres employés pour pouvoir me montrer ses avantages. Par contre, t'es jamais dans ton bureau. T'es où là maintenant? Ah, là voilà. Elle va où? Ah. Impatient, 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 impatient. Ah, peut-être impatient. Peut-être. Je suis incertain. Hop. Tu peux déjà aller chez Madame Caro. Elle est toute seule là-haut. Il n'est toujours pas dans son bureau. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je soupçonne légèrement cette demoiselle à avoir un avantage concernant les pauses. Ah.
Blessure à la jambe. Ok. Bah, déjà une plaie. On va pas te faire un exercice. T'as une hémorragie là. On va te faire ce qu'on appelle un garrot de secours. Il est où le truc? Attends, il y a un truc qui permet de soigner. Attends, allons plus doucement. Allez, la Théo, machin. Il y a un peu là, non. Ah là! Soin d'urgence, ça c'est une chose que je dois faire tout de suite. Ouais, un bordage à la limite, ce serait bien. Ensuite, plaies profondes et blessures profondes à la jambe. Ouais, en fait, toi, tu as soigné, c'est tout. C'est un patient rapide. Ça, je sais pas faire ça. Je peux pas prendre le contrôle entièrement du personnage en lui disant ben, va parler à une telle personne. Ça, je peux pas. Ça, c'est ton personnage qui va devoir le faire par lui-même pendant ses pauses. Ah, ben voilà. Un employé est passé au niveau supérieur. Et c'est Miss Caro. Alors, loyauté. Augmentation de salaire lors de la montée de niveau réduite de 20%. En somme, tu as une augmentation de salaire, mais qui est quand même réduite à 20%. D'accord. En fait, t'aimes bien bosser pour rien, quoi. Bon, bah, t'as au moins un avantage, on va dire, c'est comme ça. Ah, c'est ton avantage, c'est pas moi qui l'ai fait, hein. Personnellement, j'aurais jamais mis ce truc-là. Pour qui que ce soit. Ensuite. On a monsieur qu'on va libérer. Disons que ton salaire n'augmente pas de beaucoup. Oui. Ouais, je dois nommer le truc que tu dois faire, c'est ça? Je veux voir ce que tu fais ici. Tu veux pas lui recoudre les plaies là? Avant qu'il perde tout son sang, l'autre là? Oh, attention, attention. Ah, j'ai pas fait le bon touche. Non, t'es pas forcément la plus nulle. Je peux regarder par rapport aux autres personnages. Alors, celle-ci, elle est gamer, donc le repos est plus rapide et elle est rassurante. D'accord. Pas bon. Hop, toi, tu es bétoniste. Prends deux fois plus de temps pour apprécier la nourriture. Ouais, donc, ok. Pratique, partiate. Ça veut dire que elle se repose super rapidement et puis elle peut repartir bosser, quoi. Elle n'a pas besoin de se reposer énormément, quoi. Le temps de repos est réduit.
Ah, lui, il est caché. Toi. Ah, voilà, celui-là, regarde. Il est lent. Il marche lentement. Ouais, mais ça se peut que tu l'aies aussi, celui-là. Je sais pas lequel est le dernier que tu as. Et ici, elle est lente. Donc, franchement, c'est pas top top. Et en plus, attends, je suis même pas sûr. Ouais, elle en a même plus après. Donc, elle est. Et lui, bah, il est caché. Bon, moi, je comprends pas pourquoi il veut pas faire celui-là, là. L'hémorragie, ça a été coupé, d'accord. Celle-ci, tu veux dire? Mais elle a quand même 59 ans. Hein. Un médecin n'est pas formé d'un claquement de doigts non plus. Ouais, et t'as 24 ans. Dans le jeu, t'as 24 ans, donc c'est un peu logique. L'autre. Alors celle-ci, elle a 23 ans et elle est 4 niveaux. On va dire une Nathalo. 29 ans, elle en a 3. Elle a 55, elle en a 5. Et le vieux, ben, elle a 68, et forcément, il est. Mais les autres, Sorayu, on en a 2. Fanny, elle en a 3, elle. Je t'aime. Elle bosse. Chantal, elle est bien. Chantal, elle est bien, ouais. Sauf que elle, j'ai pas commencé à la former, donc c'est un peu dommage. Tu veux que je te change en cette personne? Y a pas de souci, moi. Allez. Ah ouais, c'est vrai, courti. Ensuite, voilà. Contrôle. Parce que c'est caché. Hop. Ici, on va sélectionner. Hop. Voilà. Et ici, on met Chantal. Mince, je ne sais plus comment c'était. On va mettre comme ça. Ah mince. Non, c'était pas comme ça. Ah, je sais même plus. Merci. Je me rappelais plus comment je l'avais nommé. Voilà. Magnifique. Donc, par contre. Chantal Lefebvre, je ne contrôle plus. Dernier petit détail. Comment je vais faire? Oh, ouais, tant pis, vous allez rester dans vos bureaux respectifs, c'est pas grave si vous êtes en face. C'est moi ou je n'ai pas le contrôle? La former, elle? Non. Hein. Non, justement, elle est quasiment formée. Elle a même déjà
des spécialisations en diagnostic avancé. Non, t'es déjà au-dessus de nous. Pourquoi ils sont en orange, eux? Ah, excusez-moi, vous avez des problèmes? Où je vous aide? Dites-le. Je job. Le symptôme. Examen physique, ça. Je peux faire ça aussi si tu veux. Tension. Voilà. Percussion du thorax. Vas-y, quoi. On peut mettre ça aussi. Allez, hop. Bactérienne, prise de sang, et hop, ça dégage. Il y a beaucoup trop de patients. Bon, alors, Queen, tiens, pour une fois, tu n'arrives pas à t'en sortir, toi. C'est quoi ça? Une infection causée par le dépôt microscopique de minéraux. Alors, hein? D'amiante. On va faire des prélèvements. Hop. M'en fiche. Je te fais le prélèvement de tout, moi. Ensuite. T'as rien dans les doigts. Oh, punaise. Tout est dans le poumon, cœur. D'accord. On va faire un examen. Ça révèle quoi, ça? Allez, on va faire ça. Ça. Ensuite, je sais pas. Alors, les salles d'opération, c'est pas encore d'actualité. On a déjà la zone où on va le faire, mais on n'a pas encore la possibilité de construire. On n'est pas assez riche. Oh, zut. Zut. Quoi qui paye ça? Merci. Voilà. Je pouvais le mettre là aussi. Oh, ben on va en mettre un deuxième. J'ai pas envie de chercher, donc donne-moi celui-là. Donc, ouais. Avec la somme que j'ai, je peux peut-être commencer légèrement. Attends, c'est pas ça, c'est ceci. Je peux faire déjà la salle d'attente. Peut-être. Attends, il me faut combien? 4 sur 4. Sur 4, j'aime pas trop, donc on va faire comme ça. On va détruire les murs. À la limite, je peux déjà détruire les murs. Comme ça. Mais maintenant, faut que je choisisse aussi une couleur pour les murs. Mais ici, je vais déjà mettre au moins deux.
de cabinet de chirurgie. La salle d'attente, plus ou moins dans la zone. Ton petit coin là-bas, je crois que je vais leur faire leur truc de ménage là. Puis je vais faire des salles ici, quoi, je veux dire, pour faire un peu le la salle d'opération. Quelle couleur j'ai pas encore utilisé? Le vert, j'ai déjà le. J'ai le rouge aussi. On n'a pas jaune. Bleu. On n'a pas bleu. Non, ça, on n'a pas bleu. Ben, on n'a pas bleu. Ben, on prend bleu. Ah, mince. Il faut que je dégage cela aussi, moi. Ou alors... Attends, je crois que je peux faire un compromis entre celui-ci, je le mettrai peut-être là, et on fermera et on ouvrira ce côté-là pour la porte. Ah tiens, j'ai déjà le truc de ménage. Ma foi, c'est vrai, on a le truc de ménage, donc à la limite, on s'en tape un peu du ménage. Alors, ici, c'est... Ok. Bah, personnellement, je pense qu'on n'est même pas obligé, parce que... Voilà, hop. On n'a même pas besoin de prendre toute cette taille-là. Hein. Alors... Si je le mets comme ça, c'est bon. Le couloir, lui, par contre, il va être comme ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ok. Ici, je sais pas ce qu'il va avoir. Attendre. Ah, il y a un coin qui n'a pas été fait dans le fond. Ici, ben. Hop. Alors ici, c'était combien? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, on va faire ça. Ça non je l'ai fait hein. C'était derrière l'étagère je l'avais vu si ça va être plus facile de faire comme ça ensuite ici. C'est ça la salle de ménage. Ça, c'est pas la... On va dire que c'est... Hop. Ça, c'est plus la salle du ménage, là. Ça, c'est... C'est ça, en fait. Hop. S'il faut que j'ouvre en fait. Ah, ici. Non, ça reste ce côté. C'était là. Non, il fallait que. Ça, on va mettre ça. Ah, c'était de ce côté. D'accord. Hop. Tiens, on va se mettre de ce côté. Ah ici, voilà, le mur ici n'a pas été fait.
Donc là, ça peut encore aller. Ici, on va modifier aussi le mur. On va le mettre en orange. Attends. Ah, déjà une pièce en orange. Ils ont déjà des pièces en orange. Ouais, je m'en fiche. Tant pis. Là, c'est en orange quand même. Par contre, on va perdre un tout petit peu en place de. Ah. Non, toi, tu tournes. Voilà, c'est mieux comme ça. Mettre quelques heures au milieu. Ah, quand même. Il disait quand même, ce serait qu'un con. Pas pouvoir en mettre là. Ça m'enquiquine un peu. Hop. Transpire. D'objets. Gauche à droite. Je regarde, ouais, c'est dans le bon sens. Okay. Alors, je te prends ton appareil. Prends ton appareil que je mets ici. Attends, il faut que je regarde par rapport à l'autre. Ça, je l'avais mis ici. Tu comprends bien? Ça, là, poubelle, là, non, tu vas pas, essayer de trouver un moyen. Genre, elle peut aller là. Bon, attends, là. Attends, je gagne de la place. C'est intéressant de gagner de la place. Attends, je sais un peu où je dois mettre ça, moi. Ah, ici. Où est à côté? L'un à côté de l'autre. Non. Non, tu n'es pas à côté de l'eau, normalement. Ah ouais, mais non, c'est hard, tout ça. Mais ouais, mais... Bon, toi, on va peut-être te mettre là. Comme ça, je peux mettre un tabouret ici. La chaise ici. La poubelle peut-être par là, on ne sait jamais. On ne demande pas une deuxième chaise. Pourquoi j'en ai deux ici, moi, alors? On en faut une là. Moi, ouais, je pense que c'est bon comme ça. Hein? J'ai pas mis l'évier. Et est-ce que la poubelle, je peux pas la mettre là? Là, je pourrais pas parce qu'il y a la porte qu'il faut. Attends, je vais voir un truc.
C'est ici. Non, c'est ici. Ils peuvent. Non, ils peuvent faire 4 sur 4. Donc ça veut dire que je devrais être capable de mettre tout sur 4 sur 4. En étant serré. Attends. Ouais, je sais peut-être ce que je vais faire. On va remplacer juste un petit truc. Ça sera plus un évier, mais ça sera autre chose. Je vais le piquer dans une autre pièce que j'ai déjà créée. Où est-ce que t'es? Où est-ce que t'es? C'est obligé. Allez, ah, voilà. C'est cet objet-là que j'ai besoin. Magnifique, ça peut se mettre au-dessus. Ah, mais attends. Ça peut se mettre là aussi. Et donc, ici, j'ai oublié de faire, forcément. C'est ça. Alors, il manque. Ah oui, pas accessible. Il va pas vouloir me donner si pas accessible. Ici, avec la couleur orange. C'est de ce côté-là. Maintenant, c'est accessible. Et apparemment, il manque rien du tout. Donc, même l'évier, j'en avais pas besoin. Ok, donc j'ai gagné une place. Bon, ça, c'est déjà une chose. Maintenant, transférons celui qui était ici. Et donc, je dirais que c'était toi. Et l'autre, je dirais que c'est Stéphane. C'est bon. Maintenant, on a libéré cette place. On retourne en chirurgie. Ici, on met cette date. Ici, on va lui mettre une porte de sécurité. On va dire, c'est comme ça. Ah, ici, j'ai pas fait le mur. Le mur, voilà. Tac. Ça, c'est une chose. Ici, on peut mettre un deuxième cabinet. On peut mettre une porte. Pourquoi j'ai pas bleu? Attends. C'est pas à cause de l'interface, parce que des fois c'est l'interface, il m'emmerde un peu. Ouais, voilà, c'est ça. Là. De quel côté je le mets, j'ai comme ça. Non, de préférence, je préfère les centrer plus ou moins de par la pièce. Parce que les étagères, je peux me permettre d'en mettre dans les coins, tu vois. Or que si je mets une porte, c'est embêtant, quoi. Parce que si j'en mets une, tu vois, ici, déjà sur ce mur-là, ben, je peux pas en mettre. Si j'en ai un contre le mur ici. Alors autant. Et le passage, ça gêne pas. Ici. Il faut tout ça. Bon, on va en faire une. Je suis pas sûr qu'on aura la possibilité d'en faire. De toute façon, toi, tu veux. Ah, tu veux pas là, mais on va te mettre là. Hein. On va essayer d'économiser un maximum de trucs. Donne-moi ton bureau, toi. Non. Ah, j'ai oublié de transporter ceci. Tiens, tu le donnes.
Évier. Bon, bah, bon. 14 dollars en plus. Ouh, je suis riche. Pas du tout. Voilà. Maintenant. On a déjà ça. On a déjà ça. L'armoire. Je vais mettre là l'armoire de préférence. Ensuite, qu'est-ce qui te faut? Ça, si te faut ça, toi, te faut ça. On va mettre des poubelles ici. Si te faut ça, il te faut une table. Sens pour la table. Ceci, d'accord. Il y a ceci. Le scan CPR. On est bien en chirurgie là parce que je suis pas sûr là. D'accord. On est bien en chirurgie. Il faut la même chose que. D'accord. Il me sert à rien lui alors. Donc il me faut. Deux petites lunettes. Ce serait pas mieux d'en mettre une double? Puis à la double, je la mets là, quoi. Il veut le truc. Tac. Il lui faut quoi d'autre? Il fallait le truc machin là. Voilà. Tac. Celle-ci, ben. On va le mettre là en attendant. Ça gênera personne. Manque le personnel. Non. Je ne peux pas. Je peux pas parce que il manque beaucoup trop de trucs. Alors déjà, une salle d'attente. Comme ça. Il va me falloir bien sûr des chaises, de jolies petites chaises. Voilà. On va mettre un distributeur ici, un truc de boisson. La machine en question. Par contre, est-ce qu'il ne devrait pas se trouver dans la pièce? Voilà, comme ça. Voilà. Je pense que c'est bon. J'ai pas fini. J'ai absolument pas fini. Faut que je change le parquet aussi. Il faut que je change le parquet. Parfait. Attends. Celle-ci? Ou celle-ci? Celle-là? Ouais, à la limite, je peux les laisser, hein. Ça gêne absolument rien pour ceux qui vont s'asseoir là et là et là. Donc, ouais, je peux les laisser. C'est pas dérangeant. Maintenant, ce que je voudrais. Et quoi, ils ont pas besoin de d'autres salles? Ah si, là.
C'est quoi? C'est une blague. Faut que je refasse une salle pour ça. Combien? Alors, minimum besoin personnel, un médecin chirurgien, un médecin assistant, un anesthésiste, un infirmière en chirurgie, une infirmière personnelle basée en salle de veille, en cabinet d'infirmière. Taille minimale de la pièce 8 sur 6. Mais j'aurais dû commencer par ça en fait. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Sur 6. C'est petit. Je ne peux pas le faire dans ce sens-là. Une. Deux. Deux salles. Mais ça, c'est pas partagé alors. Ça veut dire qu'il me faut absolument dans mon service. Il faut combien ça? Ça, c'est bizarre, ils sont en vert. Je me demande si ces deux-là, ils iraient pas jusque là-bas. On verra, on verra. On va déjà faire ceux qui sont en rouge. Combien? 4 sur 3. 4 sur 3. Si on a déjà 6. Unité de diagnostic. Service régulier. Si je fais ça, je peux pas entrer dans l'autre bloc. On va laisser un couloir ici. Je suis peut-être un peu trop gentil avec les pièces, non? Après tout, il y a des petites pièces, c'est ça. Oui, c'est comme ça. Non, pas là. Ici, celui-là, on peut l'effacer. Bon, j'ai ce truc-là, oui. J'ai pas de seuil de veille, par contre. Ouais, non. Je sais ce que je vais faire. Hop. Le service n'est pas assez grand. On va agrandir. Finalement, ben, voilà, on va les décaler aussi. Ici, autour de la salle, on va aller mettre tout ça. Hop. Autour de la salle. J'avais pas dit que je voulais faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 1 en trop. Donc, j'ai raté mes coups. J'ai un peu ce que j'avais, c'était celui-là. Ça me va très bien. On prend un couloir pour aller par là.
Ensuite, on pourrait peut-être clôturer. Clôturer. Je veux clôturer ceci. Ouais, en fait, plutôt ça, comme ça. Ensuite, on tourne. Ça serait déjà la salle d'attente. Va mettre ça comme ça. Alors ici serait un couloir, mais je sais pas quelle couleur elle aura, donc on va rien mettre. Oh, j'ai mis un mur là où il fallait pas. Tant pis. J'avais pas besoin de mettre de mur à cet endroit, mais okay. On va l'enlever. Par la suite. Ensuite, on fait le parquet. Et après, on pourra plus rien faire, quasi. Ah, attends, il y a encore ce. Ce mur là. Et on va détruire celui-ci. Quoique, il me reste encore 3000. Ah oui, mais. Ouais, mais attends. Déjà, je prends celui-là. On va te mettre ici. L'horloge. Ça ne dérange personne. Allez, hop. On va devoir enlever ça. Détruire le mur. Mais avant ça, avant qu'on ait plus d'argent pour faire les modifications, on ferme ici. L'autre a une porte. Hein. Pas sûr. Ok. Donc celui-ci, ben, il ira sur ce mur-ci. Et ici, on peut détruire donc. Pas détruire entièrement tout. Est-ce que j'ai fait ce point-là? Apparemment oui. Ok, on détruit donc ce mur-ci, ce mur-là, ça, et on met le parquet bleu. Voilà. Alors. Apparemment, ce qui va pas. En effet, j'ai fait une connerie. Ouais, j'ai fait une connerie. Bon, c'est pas trop grave. Hop, il me manque juste mon écran qui s'est effacé avec la porte. Non? Voilà, avec les murs, ils se sont effacés avec les murs. Ok. Ensuite, une salle d'attente. À mon avis, on peut mettre quasiment ça en salle d'attente. Et alors, on peut mettre une accueil ici, peut-être. Est-ce que j'ai pas encore des... Non? On va peut-être mettre un comme ça. C'est un coin? Non, c'est pas un coin. Donc, tu dois plutôt aller là. J'ai besoin d'un coin. Un coin. Hop. Comme ça. Et un coin comme ça. Non.
ça irait mieux parce que si je le mets comme ça me passe au moins facilement. Je pourrais même mettre deux. Attends, je passe. Voilà, et l'autre, ce serait le couloir. Voilà. Maintenant, on peut même un peu agrandir une case. Comme ça, on en aurait deux. On aurait peut-être deux. C'est pas plus mal, moi, je trouve. Bon, on est moderne hein, quand même. On met des pièces. Non mais que t'es... On est moderne, on a dit. Hein. Toi tu... Ça. Voilà, j'ai dit on est moderne, on n'y avait pas avec le machin. Je peux pas. D'accord. Il va falloir que je discute un peu avec comment faire pour rendre ça. Ils ont tous des PC portables maintenant. À part un. PC portable. PC portable, PC portable, PC portable. Ici, maintenant, ici, non. Désolé, mais je veux des PC portables. Eux non plus. Eux, ils en ont. Ils en ont. Ouais. Ok, encore deux services qui... sont pas encore ok donc on a déjà ça et on est en négatif. Ah, d'accord, bon ben il n'y a rien d'autre. C'est dommage que le temps ne défile pas un tout petit peu quand même pendant que je suis en train de faire les réparations. D'accord. Panique pas, ma petite dame. Mais t'es chez le docteur? Ah non, en effet, t'es pas chez le docteur. T'es où? Madame. T'es où? Pourquoi il me montre l'autre? C'est elle? Je sais plus. Oui, c'est elle. Eh ben écoutez, madame, je n'en peux rien. Vous êtes dans quel sérieux? Attends, vous êtes où? Test. Laboratoire. C'est quel laboratoire ça? Celui-ci? Je sais plus. C'est quel laboratoire que je veux savoir? Quête micro, ok, c'est pas celui-là, c'est celui-ci, donc c'est sur celui. Pardon, mais on a 16 en attente, et t'es lent, mon gars. Ok, il en a 16 en attente. Alors toi tu aimes travailler le jour, c'est ça? Ouais. Et tu es un... T'es un affamé, d'accord. J'ai pas d'argent.
Attends, alors lui il arrivera toujours en retard parce que. Et c'est un gamer. Je connais pas tes trucs, mais t'es déjà mieux que l'autre, donc on va en faire. Au soir, peut-être pas. On va peut-être pas le mettre pour le soir, mais voilà. Non, là, il faut qu'ils y aillent plus vite, là, ils sont trop lents. Faut qu'ils soient au moins deux. Elle a l'air vachement plus rapide que l'autre, donc à mon avis, elle doit avoir au moins un avantage sur la marche. Elle a la marche rapide, elle. Avant, elle marche vite. Ouais, je sais, c'est à cause de celui-là, hein, punaise. Finalement, on va en mettre un pour la nuit aussi, parce que c'était trop rapide. Bon, rapide. Ok, on va mettre qui? Toi, t'arriveras tout le temps en retard. Enfin, souvent en retard. M'intéresse pas. Je vais quand même te prendre toi, malgré tout. Ok, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, t'es quand même bien avancé. Comment ça se fait que tu n'es pas capable de tenter quoi? Ah, tu sais pas si c'est une contusion ou c'est une fracture. Ben, simple. Tu l'envoies au scan, toi. Tu vas le faire. C'est les deux que j'ai engagés, ça? Attends. Je me rappelle même plus de qui j'ai engagé. Non, toi, c'est le matin? Ah non, c'est le soir. Complètement siphonné, moi. Je sais même plus à quelle place je les ai mis. Bon allez, au moins à deux ils vont aller plus vite. Je sens qu'il va falloir un deuxième bureau, quoi. À mon avis, à trois il devrait être. Mais bon, j'ai construit quand même en conséquence, donc ça devrait quand même aller. J'ai des trucs là pour s'il m'en faut un troisième, mais voilà quoi. Je pense que ça a l'air de se. Hein? Et il y en a 17 encore en attente? Je comprends plus là. Ou alors c'est pas du tout les. Parce que là il y a 0, il y a 4. Je sais pas. À mon avis, il y a des gens qui sont partis. C'est embêtant. Ça me fait une note négative. Oui monsieur, j'arrive. Si tu passes. Oh, vous avez une fracture des doigts. C'est possible ça? My God. Comment vous dire du doigt, mais on peut pas frapper. On peut pas le plâtrer, hein, le doigt, je veux dire. Ça sert à rien, quoi, je veux dire. Donc le mieux, c'est un bandage. Je sais bien qu'on m'a déjà plâtré le bras, mais un doigt. Bon, il me donne la possibilité, on va le plâtrer. Hein. À la limite. Ouais, je pense bien. Mais alors, ils doivent prendre le poignet avec, non? Je sais pas. J'ai jamais été plâtré de la main, en fait. On va le faire. Donner des conseils. Endormi
Mais oui, en même temps, c'est pas un jeu très réactif. Bon, ben, on va mettre glaçage. Allez, après tout, on a besoin d'argent et hop, on lui met tout. Attention, hein. T'es en train de surveiller un enfant, le pauvre. En même temps, s'il est dans un parc. Jamais. Aussi comme mon fiel, il peut jouer tout seul, tranquille. Oh, mais ça va, elle est comme mon fiel, quoi. Elle joue et puis c'est tout, qu'elle est tranquille. Attends, 7 ans, mais elle va pas à l'école. Quelle heure? Quelle heure? Il est 10h38. Il est 10h37 et elle n'est pas à l'école. Non, pas le mercredi matin. Ils ont pas école le mardi matin, eux. Waouh. Nous, c'est mardi. Attends, lundi, mardi, jeudi et vendredi toute la journée et mercredi matin. Non, moi j'étais en train de te dire les jours où nous, les nôtres vont à l'école. Donc lundi, mardi, jeudi et vendredi toute la journée. Et mercredi matin, ils vont à l'école. Et le mercredi après-midi, ils sont à la maison. Ils vont pas non plus le samedi et ni le dimanche, hein, au cas où. Mais vous, ils vont pas le mercredi matin. C'est compliqué chez vous, hein? Nous, c'est partout dans notre pays, c'est comme ça partout. Sauf peut-être aux universités, là, c'est peut-être différent, mais. Mais nous, que ça soit une école privée ou une école communale, c'est les mêmes horaires, quoi. Ouais, mais même les écoles privées chez nous. Nous, l'État, ils ont décidé que c'est tac, comme ça, et puis c'est comme ça. Waouh, ça doit être compliqué. Surtout si il y a plusieurs enfants, mais qui sont pas dans la même école. Oh non, mon Dieu. Ça, c'est. Ah, c'est hard, ça. Je sais pas comment je réagirais, mais laisse tomber, quoi. C'est pas du tout. J'y vais. Est-ce que je fais mon couloir là? Bon, j'ai besoin d'argent, les gars. Au travail. Psh. Toi, non, pas peignant là. Ouais, je te vois, je te vois, je te vois. Voilà. Est pas très intelligent celui-là. Il est entré par cette porte-là. Mais... Au lieu de. Trop de cul, là. Bon, allez. Bah ouais. Mais quand même. Ça aurait été quand même beaucoup plus simple d'instaurer une règle comme chez nous, quoi. Maintenant, les universités, eux, c'est encore autre chose, hein, mais les écoles de base, primaire et secondaire, ça devrait être strictement aux mêmes heures, quoi. Sérieux, t'as rien fait? Et
Ok, je vais te faire ça, ça et encore celui-là. Alors, allez, tu me fais la totale là parce que tu... Non, oui, c'est quoi ça? Pirate ne paye aucun service. Alors là, monsieur est pirate, il paye aucun service. T'as intérêt à... Tu veux pas payer? Sors de mon hosto, tout de suite. On peut pas te soigner. Non mais oh, je paye pas mes employés avec des chocolats non plus. Ouais, mais bon, voilà quoi. Moi, je trouve que c'est plus logique que... Tiens, pourquoi les portails sont de ce côté-là? Qu'est-ce que... Oh la purée, j'ai... Ok. Ma foi. Ouais. Bon. Je suis toujours en négatif. Salle inoccupée 14. Ah. Où ça? Alors, charge de travail 2. Charge de travail 1. Moyenne, une faible. Alors, salle de carte, aucune. Cabinet d'infirmière, aucune. Modifications les plus fréquentes. Besoin réduit 6. Bon chef, 5. Bel environnement, 5. Fatigue, 2. Affamé, 1. Ne peut pas se sécher les mains, 1. Ça par contre, ça me titille. Comment quelqu'un ne peut pas s'essuyer les mains? Il y a un sèche-main là. Ici, il y en a là. Et ici, il y en a là. Donc, pour aller aux toilettes, il y en a pour tout le monde. Mais, peut-être que ce n'est pas ça qu'il veut. Un sèche-main, ouais, d'accord. C'est en décoration, d'accord. Ça, c'est pas pour décorer, d'accord. Mais le gel, machin hydraulique. C'est qui utilise souvent ce machin-là? Voilà, le distributeur de désinfectant. Le distributeur de désinfectant peut remplacer un évier. Oui, ça j'avais compris, merci. L'évier coûte cher. 29 dollars. 89 dollars. Moins. Par contre, équipement sanitaire, ouais, là je comprends. On passe 6 à 600 dollars. Mais je comprends pas pourquoi ils ne savent pas sécher les mains là. Je suis désolé, hein, mais... Je suis pauvre. J'ai encore combien de prêts là? Parce que je suis sûr que j'aurais pas dû regarder. J'ai 60 000. Ça, par contre, c'est un mécanisme que j'aime pas. Non. Bah, c'est quand même embêtant. Que si ça passe sécher les... Mais en même temps, je trouve que le mécanisme il est pas bon quoi. Dans la réalité, quand t'as un prêt, tu payes tous les mois une partie pour le rembourser, si ça se fait pas comme ça. Alors,
Alors, qu'est-ce que tu as, toi? Tu lui donnes des médicaments et puis hop, c'est fini, quoi. Il reste un symptôme, mais bon, t'es sûr, certain que c'est ça, ben, on va te faire confiance. Hein. Ben, ça tombe bien que tu parles de ça, Sorayou, parce que je comptais le faire ce soir. J'ai avancé dans ce que je voulais faire dans le truc, et donc ce soir, normalement, il y a un live. Alors, j'ai pas répondu à la question. Ça se fait comment? Ça se fait comment? De quoi? Attends. Ça se fait quoi? Comment? Que vous disputez pas, merci, ce serait bien. Si c'est par rapport au prêt, comment ça se fait que ça se rembourse pas automatiquement? Ben, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que le total dû est toujours à 60 000 et que j'ai des intérêts de 600 dollars. Oula. Allez, on va se calmer. Repose-moi ta question parce que soit je ne l'ai pas capté. Ah, bah je les rembourse dès que j'ai le pognon. Je peux rembourser par... voilà. Près de 20 000 ou rembourser 20 000. Donc si j'ai pas 20 000, je peux rien faire et ça diminue pas. C'est ça que je trouve un peu ça illogique. Mais bon, voilà. Dans beaucoup de jeux, c'est comme ça. Allez, allez. Tout doux. Attends, j'ai une... Qu'est-ce que ça fait là, ça? Dans la touche, ça, maintenant. Hop, on va la mettre là. Ah, procédure terminée. Tiffany. Ah, ok, il n'y a plus d'autres examens. Ok, bah. Voilà, je lui donne ça. Bonne journée à tous. Tout le monde va bien. Mais... Ah, c'est super, mais non, elle m'attaque moi maintenant. Ah, elle change pas de toute façon. Il veut pas rentrer chez lui là, lui, non? Passion qui part, attends. Et le vieux, il fout rien là. Attends, c'est bizarre. Ça va bien se passer. Oui, ça me retourne sur le bout du nez. C'est pas très sympa, merci. Attends, il y en a une qui part, je comprends pas. Oh, t'es quoi, toi? Bon, en même temps, si on sait que t'as pas ça, on va enlever tous les autres examens. Hein. Voilà, tout juste faire les autres tests. Toi, tu peux rentrer si tu veux, vas-y, rentre. Hop, attends, hop, vous êtes trop nombreux là. Attends, pourquoi tu veux partir, toi? Tu reviens ici.
On va te changer de médecin parce que ton médecin il est un peu soso. Oh, t'envoyer chez elle, elle est un peu plus spécialisée dans le bazar. Moi, tu vas être traité là parce que le vieux, je sens qu'il va dégager. Non mais vous allez me lâcher là? Non, absolument pas. Alors, vomissement. Vomissement, toi, t'as la totale. On fait la totale aussi. Regarde, toi, tu vas prendre ça, tu vas prendre ça, ça. Ça. Température. Examen. Ok. Ça aussi. On a besoin de pognon, donc allons-y. Prise de sang. Ça. Ça. Ça, 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 hop. Oui, bah, pour cela, il faut du pognon. Et pas beaucoup de clients, là. En même temps, oui, qu'est-ce qui se passe? C'est toujours là, là. Au bazar pour un ami, ou quoi? Qu'est-ce qui se passe encore de ce côté-là? Maintenant, t'es là. T'es avec Fanny, ok. S'en fiche, donne-lui des médicaments et qu'elle s'en aille, nom de Dieu! Allez. Elle qui veut tellement partir, mais qu'elle s'en aille. Vous allez attendre, monsieur. Hop, qu'est-ce qu'il clignote là? Oui, je veux bien. Examen physique, allez hop. Thorax, tension, allez go. Il fait ça, il te fait bien fait. Toute l'impression de les entendre jouir, par contre, c'est grave. Je suis pas sûr qu'ils vont jouir. Ah, on a encore un truc. Bon, on a fait tous les tests. Ok. Bon, tu vas avoir un anesthésiste. Un polype, une bonne. Tu as deux doigts de t'envoyer dans les autres salles, hein, toi. Oh, tu m'en kikines, tu m'en kikines, tu m'en kikines, tu m'en. Allez, hop. Ouais. Essaie de te rattraper, la sauce coula. T'aimes les voir souffrir. Bon, ça commence à m'en. Et encore combien que je dois sortir de cet hôpital-là? 6, d'accord. Et Caro, elle me demande beaucoup moins de demandes. Hein. Fanny, tu fais pas bien à ton travail? Alors, tu vas faire une radio. Évaluation, prise de sang. Non, champignons, on s'en fout, on fait tout ce qu'on veut. C'est les bras, mince. Bien sûr, je suis pas sûr parce qu'il y a quand même une douleur dans. Enfin, c'est dans le coude, mais quand même. Palpitation. Hop, thorax. Ah, zut, attends, j'ai fait un truc qu'il fallait pas. Un truc qu'il fallait pas. Oh si, l'IRM il peut le faire, yop. C'est bon, bonne journée. Voilà. Bonjour, excusez-moi, je suis en retard, hein. Qu'est-ce qui se passe vous?
Et moi, regardez, j'ai même pas le temps de faire impatient qu'il y a déjà deux qui me tombent dessus. C'est quoi toi? Problème respiratoire. Ok, on va faire ça, ça, ça. Ça, attention. Température. Le truc là, là, et hop, ça va. Je vais dire ça, ça sent déjà bien. Bon, attends. Diagnostic compliqué pour mademoiselle. Qu'est-ce que vous avez comme problème? Oh. Ok, bon ben. Ça. Ça. On va une prise de sang pour me faire plaisir. Ça, c'est une chose de faite. Toi, t'as été réglé ou ça n'a pas été réglé? C'est toujours en cours. Ok, c'est bon. Bonne journée. Alors, c'est pas gémir, ils font juste A, hein? Il dit A, oui, A. Mais c'est pas vraiment gémir. Ah, comme c'est. Oui, que. Étant donné que c'est groupé, oui, d'accord. Oui, allez. Trois symptômes. On va faire la même chose. Hein, allez. Hein, prise de sang aussi. Allez. Température, prise de sang. Ça, allez. Flatulence, carrément, vous. Bon. Non, ça, j'ai pas besoin. Prise de sang, c'est ça que je cherchais, bactérienne. Ça, on va faire des trucs de celui-ci, celui-ci. Allez, go. Revenez-moi quand vous aurez fini. Bon, est-ce que je peux m'occuper d'autre chose? Non, toujours pas. Super. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Ah, on peut le libérer. Toi, Caro, elle fait bien son travail, elle, boum. Elle m'appelle uniquement pour éjecter l'autre dehors. Qu'est-ce que vous me racontez? Aïe, aïe. En rouge? Oh, ça pue, ça. Je crois que je vais te laisser te débrouiller là sur ce coup-là. Ah, peut-être pas finalement. Ok. Bon, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, montre-moi ce que t'as. Tu dis que c'est non poli. Voilà. Allez, hop, ça dégage. Ah, bonjour monsieur, vous voulez quoi? Alors, non. Cœur. Ils sont chiants avec ce truc-là. Hop, on va faire ça, ça. Ça, ça. Hop. Je sais pas. Problème respiratoire. Oh, je sais pas, j'ai mis autre chose, ça, j'ai pas besoin. Température, d'accord. Ou à la limite. Ça aussi. Oh, allez, on y va. On y met. Prise de sang, je veux.
ça m'intéresse pas ces prélèvements là. Moi je veux bien qu'ils fassent ceci. Ceci. Attends, j'ai fait le bras ou non, j'ai pas fait les bras, j'ai fait les jambes. Les jambes m'intéressent pas. Ça, 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 et je pense. Il est cher, mais il est complet. À peu près 20 euros. Ouais, voilà quoi. 25, même plus, toi. C'est pour ça qu'il faut les acheter en bêta sur Steam, oui. En bêta, ils sont toujours un peu moins chers. Moi, je l'ai depuis le début, quoi. Finalement, je le déteste, ce patient. Je peux pas le tuer, là. Pourquoi tu veux pas te faire soigner? D'accord. L'embolie pulmonaire fait référence à un blocage de l'une des étapes pulmonaires. GG. GG, il est chiant, il veut pas partir. Tu lui as donné tous les médicaments possibles, inimaginables, mais il veut pas foutre le camp. Ah, il lui faut les... Ah, d'accord. Ah, mais attends, je vais te envoyer ailleurs, moi. Sélectionner un département. Vous allez là-bas. Comment ça, inoccupé? J'en ai rien à faire, monsieur. Ils vous donneront du anti machin et vous pourrez partir. Voilà. Bonne journée. Pour moi, le temps. Oh, il pleut dehors. Non, dans le jeu. Hein. Ça y est. Alors ça, ça. Apparemment, t'as un problème de sommeil et mal de tête. On va voir si ça peut pas être à cause de tic. Peut-être à cause de ça. Tension. Température. Le sang, je dirais, prélèvement de ça, prélèvement de ça. Ceci, vas-y. Et sinon, ben, on te fait de la tête, puis c'est tout. Hein. Je peux pas enlever ce truc. Ok. Mais c'est pas du tout la même chose. Tout si. Voilà, il n'y a aucun rapport. Prise de sang, allez, fais-moi la totale parce que de toute façon on trouvera peut-être rien du tout. Bon les gars, là vous avez quand même. Il
là, je peux pas contrôler les personnages, je peux juste leur dire où ils doivent travailler, c'est tout. Or que dans les sims, vous pouvez plus ou moins les mettre ensemble, quoi. Hein? Former des couples et tout bazar, donc c'est pas encore entièrement la même chose. Tout petit. Tuer mes patients? Non. Vider leur portefeuille, ça je suis d'accord. Y a plus rien? Voilà, donne-lui les médicaments. Insomnie. Ma somnifère, ouais, c'est parfait ça. Bonne initiative, Fanny. Hop. Et un de plus dehors. Et donne-lui ça aussi, hein, avant. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Vous aurez ça et voilà. Vous voyez? Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Il y a un souci? Vous voulez rentrer? Rentrez. Rentrez chez vous. Allez-y. Je vous en prie. Je voulais vous. Dieu, Tiffany, elle en éjecte un et elle en récupère un tout de suite, elle. Elle saute surtout tous les patients qui sont dans la salle d'attente. Vous voulez rentrer chez vous? Rentrez, madame. Rentrez, je vous en prie. Allez, plus que trois. Pourquoi est-ce que vous êtes en jaune? Ah, parce que vous êtes en pause. D'accord. Ah. Bon. Côte cassée. Ouais, d'accord. Côte cassée. 350 dollars, allez, go. Ouh, j'ai du pognon. Il m'a pas vu. Ouh, ça fait mal, ça. Perte ses sauvegardes, c'est vraiment dommage. C'est vidéo, plutôt. Sauvegarde. Bon, en même temps, c'est une sauvegarde. Hein. C'est pour ça qu'il faut les mettre toujours à trois endroits différents. Moi j'ai un disque dur, une clé USB et sur le PC. Des choses de ce genre là, c'est. Eh, je suis passé au niveau 3, ouais. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Rentrez chez vous? Rentrez alors. Hop là. Mais non, je voulais voir. Non, 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 je... J'ai aucune spécialisation. Oh. Moi, je me vois bien en chirurgien, moi. C'est internet partout, ça connecte, on se connecte partout, hein. Donc Caro, elle est peut-être au travail, mais elle regarde aussi mon live. Comment ça, pas mal? Tu t'as vu quelque chose de mieux? Oh non, pas encore elle. Bon, madame,
Vous avez la diarrhée parce que vous ne supportez pas le lactose. Hop, c'est bon. Donc, on va vous donner ceci, ceci. Et bye bye. Comment ça, je me moque? Mais non. Internet partout, donc c'est possible de se connecter partout. Ah, toi, t'es mieux. D'accord. Bah, si tu veux, je te mettrai en chirurgie. Hein. Pas de soucis. Je sais pas, je n'ai jamais été jusqu'à ce niveau-là. Si ça se trouve, c'est coriace quand même, mais bon, hop. Ok, ça. Oh, super, il faut. Bonne nuit, vous, monsieur. Hop, on va t'envoyer là-bas pour le coagulant. Voilà. Rhume des foins. T'es sûr que c'est le rhume des foins, Fanny? Et toi, c'est direct. Tu vas d'abord faire du travail. Hein. Tu éjectes un peu trop vite les clients, toi. Les patients. Pas les clients. Voilà. Tu me fais un examen pulsé, ça serait bien. Allez, encore un que je pourrais faire mettre dehors pour gagner deux patients. Alors de un, c'est ma feng, hein? C'est ma feng mi. C'est moi qui l'ai utilisé en premier dans le groupe. Et puis elle me rapporte beaucoup d'argent, donc je ne vais pas l'éjecter. Elle me rapporte beaucoup d'argent, elle éjecte beaucoup de monde. Bon, oula, elle a des yeux bizarres. Qu'est-ce qui se... Oula. Ok, toi tu... Toute bactérienne, c'est sûr. Allez, hop. T'as déjà fait des... Ah ouais, t'as fait pas mal de choses, toi. Ok. Bah, on va faire ça.
Emmerdeur. Bon. Ah, je te remets ma chaise correctement maintenant. Hop. Bon. Petite éruption. Faire ça, ça, ça. Attends, j'ai pris ce truc-là, ça me sert à rien, ça. Ceci. Ceci, ceci. Oh, allez, vas-y. Allez, je demande machin, on fait la totale. Voilà, fait déjà ça. Je pense que c'est déjà pas mal. Mon père, il a coupé la lumière et tout. Pourquoi tu viens de mettre un symbole de prise là? Ah, elle s'est déconnectée. Couper la lumière. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Bon, je voudrais bien en éjecter un encore. Quoi, ça fait déjà 2 heures que je joue? Ah, enfin. Ah, l'objectif de la compagnie d'assurance a été complété, traité. Les patients des docteurs contrôlés en mode interne 20 sur 20, récompense augmentation. Les patients de la clinique pour par jour à 20. Ah, j'ai gagné. Ah, j'ai gagné ça aussi. En mode titulaire, hein. Mon Dieu. Alors, c'est reparti pour ce que tu dis. Alors, 2-1. On tourne dans ce menu-ci. Là. Par contre. Ce mur-là. Il me restait quoi encore à construire? Je sais même plus. Ah, une salle de veille. De quelle taille? 4 sur 3. Voilà, limite, combien? Attends, il me suffit en fait. Je crois que c'est 5 sur 4 maintenant. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut pas faire sur 6. Si, ben on fera sur 6. Voilà. Six, ok. On peut faire donc les blocs opératoires qui doivent être de cette taille-là.
j'engage du personnel, parce que si je les achète, les pauvres, ils vont se sentir comme des objets. Ah ben j'ai pas fait le... Oh non. Désolé mec. Non. Je sais ce que je vais faire. Hop, ici. 1, 2, 3. Salle commune, c'est quoi ça? Endroit où les visiteurs peuvent rencontrer les patients, hospitalisés, leur parler, s'asseoir et se détendre. Blablabla. Oh, où sont les patients? Salle commune! Okay. Il n'y a pas une salle de réveil? Bon, ça m'enquiquine de faire ça, mais ok. On va faire une comme ça. 1, 2, 3, 4. Ou être bon, maintenant on va faire les murs. On va faire les murs. Alors, salle d'opération, ça je vais faire. Comment je vais la faire? Je la vois bien comme ça, la pièce ici. C'est une chose. Alors ici, ben forcément, ben comme ça appartient au service. Ah, attends. Ils ont de quel coup? Non, ils sont comme ça. Ça? Ouais, ils sont comme ça. Okay. Donc ici, ils sont comme ça aussi. Il fait trop long. Ok. C'est une pièce. Hein? Oh non. Tu vois pas que... Et ça m'enquiquine beaucoup là. Là,
Ici, la salle des infirmières. J'aime bien. D'accord, allez hop, c'est parti. La salle d'opération. Oh, jamais fait les salles d'opération. Oui, je sais, mais je suis occupé avec les murs pour l'instant. Change absolument rien. Ah mince, c'est moi, j'ai un deuxième. Ensuite, ceci, le couloir. Et hop, ça c'est une chose de paix. On regarde un peu le rendu. Ça a l'air d'être bien. Ok. Ensuite, mur. Non, on va mettre le sol. Voilà. Ensuite, ici. Par contre, j'ai mis 3. Je me demande si ça aurait pas été mis 4. Je suis emmerdant. Je suis emmerdant. Je m'emmerde moi-même. On va faire ça. Hop. On va déjà régler le problème du parquet. Ici. Ensuite. Destruction de ce mur-ci, de ce mur-ci, de ce mur-ci et de ce. Voilà, maintenant, ça. Pas bon. Ensuite, deux, trois, quatre, on sépare. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Ah, c'est à 5. C'est bien possible. Heureusement que ça coûte pas trop cher les murs. Hop, ça c'est bon. Vais mettre un mur comme ça. Un mur comme ça. Non. Non, 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 je suis obligé de mettre le mur complet si je veux mettre une porte, sinon il va pas vouloir. Non. Non, s'il veut pas. Ici, est-ce que je fais en sorte que ce soit restreint? Réfléchis. Non, non.
Je fais plus petit, ça fait quoi? C'est moche. Pour l'instant, il n'y a rien. Attends. J'ai oublié de faire un truc super important. Là. Que c'est pas ah là par contre ça pose problème peut-être non ça va bloquer ici ah pas toi ou peut-être là. C'est mieux. Les portes. Ici peut-être des doubles portes peut-être. Alors dans les hôpitaux, non, même si... ça va pas bloquer ça. On va mettre ça. On va mettre ça. Ici, on est sur... Ok. Bon, là, on est uniquement sur les pièces. Ça, je sais pas encore. Je vais aller voir. Attends. À la limite, je peux avoir une vue d'ensemble de la salle de bloc opératoire. Alors. Ah, ils mettent des portes. Ah, ils mettent des portes avec des interdictions d'entrée. Ma foi. Je sais pas, ça peut être coulissant. Je sais bien que dans certaines, en tout cas là où j'étais à l'hôpital, les portes sont coulissantes. Hein. Ils doivent appuyer sur un bouton pour ouvrir, donc je veux dire que c'est normal, je veux dire. Hein. En même temps, on ne rentre pas dans une salle d'opération. On n'a pas des singes, quoi. Bon, on a fait ça, mais je remarque que c'est vachement petit par rapport à l'exemple. Vraiment très petit. Je vais reprendre quand même le schéma, mais il y en a qu'une. Vache. Ouais, je peux l'acheter. Qui me fait un prix de 25 300. C'est cher, hein? Surtout que j'ai déjà construit les murs. Ça compte les murs, ça compte les portes, ça compte vraiment la totale, quoi. Ouais, bon, celui-là, ben, au final, on va l'éjecter. Oui, on va l'éjecter, ce truc-là, pour l'instant, c'est pas que j'aime pas, mais voilà. On le mettra plus tard. Hop, pour l'instant, on va faire ça. Il a dit 6 sur 12, hein. Ça devrait le faire.
On va peut-être en faire qu'une seule. Les portes. Alors, ici, on a dit. On a dit. 12 sur 6. Hein. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Non. Oui, je vois ce que tu veux dire. J'achète qu'une seule fois la pièce pour le moment, et après je peux en reconstruire une, mais j'ai vu toutes les deux à côté, donc je suis obligé déjà de compter plus ou moins la taille que la pièce va avoir. Par contre, quand même. Gouré sera la taille de la pièce. Par contre, est-ce que je peux attends. Faut combien de Magnifique. Elle est prête. Elle est prête, celle-là. Okay. Donc, on peut mettre les portes ici. Et donc, ici, on fait notre deuxième. Ah non. J'ai mal mis ma porte. La porte devait être plus ou moins ici, et donc je dois reculer le mur d'un cran, mais c'est pas encore trop grave. Voilà, c'est fait. Magnifique. Attendez, hop, on va dans l'autre sens pour faire ça quand même. Voilà. Ensuite, on fait ça et ça. Plus, alors, 1, 2, 3. Petit couloir. Ah, ici, il n'a pas pris en compte. Et c'est bon, je pense. Hein? Ça ressemble pas à un couloir pour l'instant. Voilà. Et là, ça, pas du tout. Comme je le demande. Ouais, ils sont comme ça. Non, c'est quoi comme pièce? Ouais, non, ça c'est. C'est gouré ici, mon ami. Ah ouais, même derrière. Ok, c'est bon. Là, c'est pas bon. Ok, maintenant c'est bon. Ouais, c'est bon partout. Ici, par contre, ici, il faut deux portes-fenêtres. Hein. Enfin, deux portes. Ça. Il en faut deux vitres au centre. Ça, je peux déjà les placer. Ensuite, dernière chose, on redonne la possibilité d'avoir ça et d'avoir ça. Attends, hein. Quel mur?
Ah, je l'ai peut-être modifié au moment où tu l'as dit, peut-être. Je sais pas. La foi maintenant, c'est vrai que. Il me reste combien? Je veux d'abord savoir combien il me reste. Attends, on va faire ça. Va baisser ça. Je vais m'approprier ça. Voilà. Je dois juste laisser un couloir de 3. Ah, si, il n'y a pas les seuls. Donc, à partir d'ici jusqu'au fond. Ok. Ça, c'est pas. Non, c'est pas ça, c'est celui-là. Ça, malheureusement, jusqu'ici, ça pourra rien d'être. Je peux pas aller plus loin de toute façon, donc autant le. Celui-là, je sais plus à quel niveau il faut que je le. Boum, ça c'est fait. Ici, couloir. Et ici, alors une double porte. Et on aura fini ce côté-ci, je crois. Je pense qu'on aura fini ce côté-ci. On aura plus qu'à mettre cette cabine ici. Alors, j'ai intérêt à mettre les couloirs, sinon. Les femmes de ménage ne vont pas venir travailler. Ah, ici, il n'y a plus les. Je les ai enlevés, mince. C'était quoi? Ah, c'était ça, peut-être. Bon. Je me demande si je mettrais pas la salle d'attente jusque là en fait. Non. Non, je vais laisser la salle d'attente jusqu'ici. Je vais me référencer à ce que j'ai moi. Alors, toi, plus par là. Par contre, la porte là, elle n'est pas bonne, mais c'est pas grave. On va réduire. On va juste réduire un truc. Couloir. Non, ça marche pas bien. Ça rend pas bien. Je sais ce que je vais faire. On va enlever ça. On va la mettre là. Hop. Ensuite, mur. Il faudrait un mur avec des portes de secours. Malheureusement, ce n'est pas possible. J'ai pas de porte de secours. Ah, ici, tu veux dire? Face au parking avec les ambulances? De toute façon, c'était prévu que je fasse un truc dans le genre.
pas être perturbé par ça. Je dirais ça comme ça, moi je dirais. Alors ici, ce que je voulais faire d'abord, un mur. Ici, je vais pouvoir enfin mettre ma porte puissante. Voilà. Ici, bien évidemment, nous mettons. Chirurgie. Ah non, attends, c'est pas le symbole de la chirurgie, ça. Si, 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 c'est le symbole. Alors, ici, c'est cabinet du de l'infirmière. Ça ressemble à ça, non? Le studio docteur, ben forcément. Non, désolé. C'est ici. Et non. La salle. Ah. C'est quoi ça? Salle commune. Salle de veille. Il n'a pas pris en compte. Salle d'attente. Salle d'observation. J'ai pas ça. Non. Page suivante. Salle de régulier, c'est celle-ci. On va mettre ça. On a ceci qui est ici. On a ceci qui est ici. Qui, ma foi, je me dirais qu'elle aurait dû être de l'autre côté, mais tant pis. Sera en dehors. Le diagnostic. Ok. C'est quoi ça? Toilette. Oh! Oh, c'est intéressant ça. Allez, toilette. Et truc cardio. Voilà. Néanmoins, maintenant j'ai ça. Est-ce que j'ai nommé. Non, j'ai pas nommé toutes les pièces. C'est quoi ça? Ça va être le truc neuronal. J'ai rien pour les blocs opératoires. Ah, c'est là. Voilà. Je pense que c'est bien comme ça. Alors ici, par contre, ça va être un petit problématique ici. Voilà. Ici, ce serait un simple couloir, mais comment dire? Ça va poser problème. Bon, avec le peu de ressources qui me restent, je vais faire vite un couloir. Tout à fait banal.
Comme ça, comme ça. Voilà. Ça, au moins, ça empêche les gens de se promener un peu partout. Ok, ça c'est bon. Peut-être recopier ce truc-là. C'est pas ça. Voilà. Ou alors, ouais, non. Parce que ici, à mon avis, je vais peut-être faire autre chose, style cafette. Ouais, je vais peut-être mettre la cafette plus ou moins dans cette zone-ci. Donc, je pense que c'est déjà bien là. Maintenant, avant de lancer vraiment l'activité, il faut que je remplisse les pièces. Alors ici. Bon, ici j'ai déjà pas mal d'argent. On va déjà mettre ça là. Ici, ça sera des trucs. Hein, mais, hop. Voilà, comme ça. Et ici. Parfait. Allez hop. Les gens n'ont qu'à se laver les mains. Ensuite. Ça fait la même chose qu'il y a de l'autre côté, forcément. Allons-y. Hop. Un bureau avec un décolleté. Un comme ça. Et un comme ça. Une chaise. Et je le fais complètement à côté. Alors ici, j'ai besoin d'un PC portable, d'une imprimante gigantesque. Bien que, attends, écoute combien? Ouais, au pire, j'aurais pu mettre des petites en fait. Mais bon, j'ai besoin de ça. Ah sérieux, j'ai même pas fini. Sais pas, il dit qu'il a besoin de ça. De l'autre côté. Bon bah au pire. Au pire, on n'est pas obligé de qu'elle se ressemble toute, hein, voilà. J'ai besoin d'une table. Là. Une poubelle jaune. Une poubelle rouge, évidemment. Il manque rien du tout. Ouais, bon, faut mettre ça, mais c'est pas une obligation, donc à la limite, c'est pas encore trop important. Table carré, nanana, donc je suis désolé, c'est déjà bien comme ça. Ok, ici, il nous faut. C'est quoi comme pièce, ça? Non, je l'ai remplacé par une armoire roulante mobile. Oh punaise, attends, c'est. Unité de soins continus. Ici, d'accord.
déprivé, machin, de ce que tu signes. Lequel était plus beau? Ouais, je ne me plaît pas. C'est chiant, je sais. Le prix est identique, mais je trouve qu'il est beaucoup plus stylé comme ça. Peut pas reculer. Qu'est-ce qui manque? C'est pour le patient ou c'est pour pour les pour ceux qui travaillent? Ouais, non, c'est pour ceux qui travaillent. Au pire, on peut lui mettre. Voilà. Alors, ici. Petite armoire. Bon bah j'ai plus l'argent. Voilà. Mais bon, ça prend forme, hein, ça se sent forme. Là, ouais, on va bientôt avoir la chirurgie. T'as la grippe B, bah t'as la grippe B, hein, si je te dis ça. Oula, ça fait déjà 2h34 que je stream. Bon, ben on va se laisser là. Parce que je vais aller manger. Et de toute façon, on se retrouve à 14h30 pour Tinderborn. T'avais une question, ma petite Caro? Non. Le lit, là. Oui, qu'est-ce qu'il y a, le lit, là? C'est pour les soins, pour l'unité de soins intensifs, continu. Pourquoi il n'est pas contre lui? Ben en fait, je sais même pas pourquoi il veut pas le mettre. Mais à mon avis, c'est peut-être parce que il y a ça derrière. Ça me tracasse moi-même. Hein. Bon, service. Je peux pas. Ah. Ouais. Bizarre, ça.
D'accord. J'ai pas compris. Mais tout à l'heure, j'avais essayé, mais il voulait pas, donc je sais pas. Soit c'est parce que j'étais de l'autre côté, j'étais comme ça, et peut-être que j'ai mal dirigé le lit, mais. Non, mais moi aussi, je voulais le mettre contre le lit, mais bon, comme moi, il me voulait pas à la base, je n'étais pas centré. Là, il est centré. 1, s'il veut pas, parce que forcément il y a peut-être. Ah ouais, mais non. Tant pis. J'ai pas fait la pièce assez grande. Je voulais le centrer, mais je peux pas le centrer, donc tant pis. Tant pis, on va re-sauvegarder. Parce que comme j'ai fait une modification. Et on va se laisser là. Bon après-midi. Bah ouais, bon après-midi. Non, au sang, je pouvais pas. Je peux bien le reprendre. Ça, c'est pas centré. Hein. C'est comme s'il était de l'autre côté de la pièce. Si tu veux, la pièce, elle fait 4 sur 4. 4 sur 6. Donc, je peux pas le centrer. Il aurait fallu que je fasse une pièce de 5. Ouais, c'est presque centré, mais c'est pas centré, malheureusement. Je vais voir si je peux pas réduire la pièce d'à côté, on verra. Pour faire une pièce de 5. Allez. Bye bye.